C'est quoi, on veut savoir que nous arrivons, ils brouillent la communication, et que je leur ai dit, moi, au commandant tour des rebelles. Parce que, bon, alors, avec cette force d'une magnitude, y a quelqu'un! Amiral Akbar, vous êtes mis dans un état incroyable encore, hein? Faut pas abuser du jus de Banta, hein? C'est difficile l'alcool de Banta. Faut être fort, faut être un Jedi, y a que les Jedi qui encaissent, hein? Voilà, vous avez vu ce que ça donne quand on est un poulpe un peu bourré, quand on se déplace avec difficulté, qu'on articule avec difficulté aussi? Eh ben, c'est ce qu'on va voir exactement aujourd'hui dans Octodad! Ça n'a rien à voir avec l'amiral Akbar, c'est mon préféré. J'ai même un t-shirt de l'amiral Akbar en personne. Je l'adore dans Star Wars, vous le savez. C'est ma mascotte en quelque sorte. Et il a des grands points de ressemblance avec le héros de Octodad qui est un poulpe mais qui ne le sait pas. Enfin plutôt lui le sait mais sa famille ne le sait pas. Regardez. Je lance tout de suite une journée pour Monsieur Poulpe, à qui je fais un clin d'œil d'ailleurs, Monsieur Poulpe au passage, notre camarade Monsieur Poulpe de Mange Mon Geek. Le voilà, Monsieur Poulpe, c'est nous, Octodad. C'est un jeu sur PlayStation 4 absolument délirant. Pour moi, le meilleur jeu de la PlayStation 4, j'ose le dire, comme Payne en son temps était le meilleur jeu de la PlayStation 3, parce que les jeux où on incarne un poulpe ne sont pas légion. Et surtout, les jeux avec un moteur physique rigolo et une façon de se déplacer incroyable, ça aussi, il n'y en a quand même pas beaucoup. Alors regardez, c'est juste un truc de fou. C'est super compliqué pour se déplacer. Quand j'appuie sur la gâchette de droite, je bouge mon tentacule droit, mon pied droit. Quand j'appuie sur la gâchette de gauche, je bouge mon pied gauche. Mais évidemment, tout ça est mollasson, pas très précis, etc. Donc c'est extrêmement dur de se diriger. Et voilà, j'ai réussi à arrêter avec le pied le réveil. Et avec le stick droit, je dirige ma main, enfin mon tentacule, on va dire. Et je peux jeter le réveil, par exemple. Je peux... j'ai enlevé des fleurs, parce que je voulais faire. On fait jamais ce qu'on voulait faire dans ce jeu. Je voulais essayer d'ouvrir un tiroir pour voir si j'avais pas une chemise. Voilà. Donc, en gros, c'est une simulation de poulpe, mais je trouve qu'on dirait une simulation de mec bourré. Surtout, c'est ça, quoi. Et je trouve que c'est une super idée d'avoir fait ça quand j'ai découvert ça à l'E3 au lancement de la PlayStation. C'est le jeu qui m'a le plus scotché, au sens propre du terme. Parce que regardez, là, je suis scotché dans l'entrée. J'arrive pas à passer mes jambes de l'autre côté de la porte. Bon, allons voir mes enfants, qui, eux, ne sont pas des poulpes. Ce sont des enfants normaux. Et donc la journée commence mal, on a l'impression qu'il n'y a que moi qui me rends compte que je suis un poulpe. Donc je vais essayer de faire le moins poulpe possible, c'est-à-dire de me déplacer le plus élégamment possible pour que ma famille ne remarque pas que j'étais transformé en poulpe pendant la nuit. Voilà ma petite femme. Je vais essayer de lui mettre un tentacule aux fesses. Mais ça ne marche pas. Très bien, donc je vais faire ce qu'elle me demande, en l'occurrence faire du café. Et autant dire, quand on est dans cet état-là, c'est franchement pas facile. Alors regardez, il y a du café en haut, donc je lève mon tentacule, je l'attrape. Alors il y a des trucs un peu contextuels, c'est-à-dire, dès que je m'approche, vous voyez, voilà, il met tout seul le café dans le truc, ils sont quand même pas super exigeants. Et dès que j'approche mon tentacule d'un objet, l'objet se met en surbrillance, et ensuite j'appuie juste sur la gâchette pour attraper l'objet en question. Donc là, il faut que j'attende d'être devant la cafetière pour la placer, voilà. Alors heureusement, hein, ça se place automatiquement. Hein. Mais pour le reste, rien n'est automatique. Là, je vais essayer de viser le bouton. Donc chaque truc est une tannée. C'est vraiment, faut vous imaginer que vous êtes bourré, quoi. Vous essayez de jouer à un jeu bourré. C'est absolument incroyable. Une sensation hallucinante. Moi, je bois pas d'alcool. J'ai jamais été bourré de ma vie. Je peux pas vous dire ce que ça fait. Mais j'imagine que ça fait ça. Voilà, m'a demandé d'amener du lait pour Stacy, ma petite. Je vais essayer de pas foutre le grille-pain dans l'évier. Et je vais essayer de diriger mon bras vers le lait et non pas la bière. Voilà. Et d'aller en toute dignité. Voilà, regardez là. J'ai presque l'air d'un être humain normal. On va essayer. Vous voyez les regards que me jettent les enfants, les pointillés. Ça veut dire que c'est un peu chelou à leurs yeux, quoi. Ah, tu veux du lait, mon petit? Tiens. Derrière l'épaule, c'est magnifique. Donc, c'est un jeu, moi j'adore ça, c'est une crise de rire permanente. On se marre, c'est vraiment bien fait, bourré de petits détails super rigolos. Regardez par exemple là, vous avez sûrement vu la séquence du mariage, qui était la démo qu'on pouvait essayer avant. Là, j'ai les petits personnages de mariés qu'il y avait sur mon gâteau de mariée. Regardez, ça représente moi et ma petite femme. Voilà. Là, il y a d'autres portes, mais je peux pas y aller. Si je prends la poignée, elle me reste dans la main. Donc, il y a vraiment un côté cauchemar aussi. Vous savez, dans les cauchemars, on veut faire un truc et on n'y arrive pas. Genre, je prends une poignée de porte et elle me reste dans la main, ça ne s'ouvre pas. Là, regardez, il y a un très beau portrait de mon ancêtre. Je vais essayer de vous faire voir, je vais décrocher du mur.
Donc autant vous dire qu'après 2 minutes dans une pièce, voilà, c'est le souk dans toute la pièce, c'est assez rigolo. Donc on peut fouiller partout, voilà, je pourrais essayer de casser la vaisselle pour faire une scène de ménage avec ma femme, etc. Voilà. En fait, c'est un jeu d'aventure, puisqu'il y a des petites énigmes, il faut savoir comment, quoi faire, dans quel ordre, etc. Là, par exemple, il est temps que je boive mon café, donc j'attrape ma tasse number one dad, et je bois comme je peux. Waouh, j'adore, en plus, les voix sont super. Alors, c'est en VO, mais sous-titré en français. Petite erreur de traduction, mais bon, ça passe dans l'ensemble. Ils ont réussi à restituer quand même l'humour du truc, parce que c'est vraiment très très drôle. Ah, alors, bon, bah, on va faire ce qu'elle me demande, ma femme. Donc, j'ai plein de trucs à faire en regardant dans le menu options. J'ai la liste des tâches, donc des tâches ménagères toutes simples, par exemple, désherber le jardin. Alors, c'est tout simple quand on est un être humain, mais quand on est un poulpe, c'est super chaud de désherber juste les mauvaises herbes et pas les petites fleurs, évidemment. Moi déjà dans mon jardin j'ai du mal à distinguer les deux. Alors là c'est, on peut vous dire que c'est du vécu. C'est de pas prendre le nain de jardin. Ah bah voilà, ça s'est raté. Ouais, tant pis pour le nain de jardin. Voilà. Donc comme vous le voyez, je suis assez doué à ça. Moi dès que c'est une connerie, dès que c'est pain, dès que c'est octodad ou faut faire le con, je suis très doué. Tout à coup j'arrive à faire ce que je veux. Alors que dans tous les autres jeux, évidemment, j'arrive pas à faire ce qu'on me demande. Là on vous demande de foutre le bordel, donc c'est parfait pour moi. Ce jeu est un bullet time permanent. Voilà, j'ai bien tout désherbé, super. Faudrait que je tonde la pelouse. Autant dire que c'est pas gagné. Donc on va aller dans l'abri de jardin. Donc il y a juste une touche pour agripper les objets, la même touche pour lâcher. Voilà, avec tous ces ballons qui encombrent, ça peut être facile. Alors, quand même, faire un petit peu le ménage. J'ai attaché la porte, c'est pas du tout ce que... Je m'enferme à l'intérieur. Il voudrait mieux que je sois à l'extérieur. Ce serait plus facile. Et moi, ce qui me ferait plaisir, c'est la tondeuse. Je serais obligé de sortir tous les ballons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que la tondeuse. Ah, j'étais pas loin. Ah, j'ai la tondeuse. Alors le truc, c'est de pas me tondre les jambes. Bon, enfin, ça va, le poulpe est assez résistant, donc normalement, vous devriez... je devrais pouvoir y arriver. Voilà, alors soit je traîne la tondeuse derrière moi, bon an, mal an, comme je peux. Ah oui, qu'on traduit ces balbutiements par des reproches de paresse. Voilà. Ah, c'est laborieux, hein, mais c'est ça qui est drôle, quoi. Vraiment, je trouve ça assez fabuleux. En fait, c'est même au-delà de ça, pour vous autres joueurs normaux, ça, c'est une simulation de Marcus. C'est-à-dire que c'est ce qui m'arrive à chaque fois que je fais un chez Marcus, finalement. C'est-à-dire que je voudrais faire des trucs et ça marche pas comme je voudrais, alors que ça marchait très bien à l'entraînement, il n'y avait pas de soucis. Bah voilà, jouer à Octodad et vous verrez ce que c'est que ma vie de Marcus quand j'essaie de tourner des émissions, montrer des jeux que j'adore, et que pour X raisons, ça ne marche pas. La raison X principale étant que je suis mauvais, mais pas aussi mauvais que... enfin, c'est moins mauvais aux répétitions, à chaque fois. Et quand je n'essaie pas de vous parler en même temps. Bon, j'ai presque fini de tondre la pelouse, ma petite femme va être très contente. Je me suis tondu la moitié du visage au passage, et c'est pas grave. Allez! Voilà, on va reculer un petit peu. Alors, je m'en mêle au passage, parfois, ouf, que je fasse gaffe à ces petites fleurs, sinon elle va m'engueuler. Merde, je vais y arriver. Allez! 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 Tends le bras! Voilà, ça y est, ouf, la pelouse est tendue. C'était pas le truc le plus facile. Évidemment, on m'a mis un toboggan qui glisse, hein, pour que ce soit beaucoup plus drôle. Donc, dans ce jeu, c'est rigolo, parce qu'il s'amuse à nous mettre dans toutes les situations où il y a des trucs très précis à faire, et évidemment, on n'y arrive pas. Donc, c'est très très drôle. Exemple de trucs précis à faire, des hamburgers au barbecue. On dirait que s'il n'y a pas du poulpe grillé au menu, c'est que j'aurais bien de la chance. Voilà, donc déjà je suis bien à côté. Voilà, là on va dire que ça peut cuire éventuellement. Ça veut pas trop cuire. Oh la vache! Oh la vache! Ah voilà, il y en a un qui est posé. Je vais chercher les autres. Allez. Voilà, j'en ai fait tomber deux. Eh ben, mes enfants, s'ils acceptent de manger ça, ça va être terrible. Ça colle de partout. Ne roule pas, ne roule pas. C'est déjà vu quelqu'un qui cuit des hamburgers comme moi, là. Génial, ça cuit quand même. Hein. C'est même pas cuit sur une face, c'est cuit sur la tranche. Génial, aucun chef cuistot n'est capable de faire ça.
Voilà. Bon, et maintenant, est-ce qu'il est cuit celui-là? Celui-là est cuit, il est même limite cramé, donc je vais le remettre dans leur hamburger. Tenez les enfants, papa vous a préparé des bons burgers. Il y en a même un qui va être un peu cramé, mais c'est pas grave. Voilà. Allez, le dernier. Fais gaffe à pas me brûler le tentacule. Parfait, ça a l'air délicieux, super. Très bien chérie, un petit bisou. Allez, un petit bisou. Là, vous voyez, je l'énerve en fait. La jauge violette qui se remplit, c'est que je fais des conneries, ça ne va pas du tout. Donc, faut pas faire trop de conneries non plus dans ce jeu. Sinon, les humains finissent par se rendre compte que vous n'êtes qu'un poulpe et non pas un être humain. Donc, il faut essayer d'être quand même le plus possible humain et faire le moins de bêtises possible. Voilà. Donc là, on va me demander de couper du bois. Ça non plus, c'est pas évident. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a quand même un peu d'assistana. C'est-à-dire que. Il suffit que j'effleure le tronc avec ma hache pour que le rondin se coupe tout seul. Faut quand même que tu fasses un peu le ménage. Voilà, évidemment, j'ai réussi à aller fourrer ma hache dans ce truc. Lui. Voilà, c'est pas le ballon que je veux, c'est ça. Allez, un petit coup. Voilà. Pareil, le rondin se met évidemment tout seul, tout droit. On n'a pas besoin de le caler soi-même. Voilà. Ça y est, j'ai tout coupé ou pas? Non, j'ai laissé un rondin s'échapper. Viens là, petit rondin. Où est-ce qu'il est? Il est là. Allez. C'est laborieux. Voilà. Mais je crois que j'ai tout coupé, là. J'en ai oublié un ou quoi? Ah non, il en reste un. Bah non, j'ai tout coupé là, les amis. Là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, alors, il y en a un caché derrière, je n'aurais pas vu. Ah, voilà, il me manque un rondin. C'était pas normal du tout. Ah, oh, j'adore. Vraiment l'impression d'être complètement pété. Allez, voilà le dernier. Super. Maintenant, je vais m'occuper du nichoir à oiseaux. Mais avant, regardez, par exemple, je me dis, mais... Et si j'allais massacrer toute ma famille à coups de hache? Après tout, pourquoi pas? On a bien le droit de s'amuser. Et en fait, alors, on peut. Il leur arrive rien, mais c'est juste que ça les énerve un petit peu qu'on les attaque à la hache. Je vais faire voir quand même. Si j'arrive à grimper ces escaliers, parce que les escaliers pour Octodad, c'est un problème. Donc, allez, je vais attaquer mes propres enfants à la hache. Donc déjà, faut y arriver, c'est pas facile. Vous voyez, donc bon, ça lui fait pas grand mal, et tout ce qu'il trouve, il trouve que c'est juste un peu bizarre que je l'attaque à l'âge. Voilà. Alors, le truc dommage, j'aurais trouvé génial qu'il fasse un mode multijoueur. Imaginez un mode multijoueur, chacun avec une arme blanche, un couteau, une hache et tout ça, en train d'essayer de tuer les autres en multijoueur, avec du friendly fire sur soi-même. C'est-à-dire, on aurait pu se mettre des coups de hache soi-même, par inadvertance. Oh mon dieu, le méchant essaye de m'aspirer avec sa tondeuse. Je vais essayer de foutre un coup de pied dans ses nains de jardin. Pour en empêcher. Voilà, donc ça aurait été super en multijoueur, malheureusement. Et ils n'ont pas pensé à ça. Ils ont pensé à un autre truc multijoueur dont je vais vous parler juste après. Regardez, lui, c'est le grand méchant. C'est le chef. Cuisinier. Qui, lui, sait que je suis un poulpe et qui veut le dire à toute ma famille. Donc j'essaye, avec un balbutiement de fausse modestie, de noyer le poisson. Si j'ose dire. Et voilà, la maman veut nous amener à l'aquarium. Mais moi non, parce qu'à l'aquarium, évidemment, on va me repérer, tout le monde va voir que je suis un poulpe. D'ailleurs, je vais pas vous y amener, je vais vous faire voir un autre niveau plutôt. Mais vous irez effectivement à l'aquarium et il faudra échapper aux gardiens qui vont tout de suite voir que vous êtes un poulpe. Donc il y a carrément une séquence, il y a des séquences d'infiltration. À la Sam Fisher ou Metal Gear, voilà, Solid Snake, mais avec évidemment les capacités d'Octodad. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment très très drôle. Donc il décide d'aller au supermarché faire les courses. Eh ben très bien, nous irons donc au supermarché faire les courses. Ouf, on a eu chaud aux fesses. En admettant qu'un poulpe ait des fesses, évidemment. Johnson cereal and pizza and soda and chocolate milk. And I want an apple. Il y a vraiment beaucoup d'humour, évidemment, hein. C'est difficile de faire ça au premier degré. Notamment la visite de l'aquarium est très très drôle. On peut aller visiter l'univers absolument merveilleux du plancton et des algues. Ça aurait pu être écrit par des gens qui font les Simpsons. Il y a vraiment vraiment plein de bonnes idées, plein de trouvailles, plein de trucs très 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 drôles. C'est assez court, hein, en quelques heures, c'est plié.
Mais c'est vraiment des heures de bonne rigolade quand vous essayez de faire un truc et que vous n'y arrivez pas. C'est vraiment très très drôle, quoi. Vraiment. J'adore ce jeu, je trouve ça très 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 original, vraiment. C'est un film comique, comme l'était Payne en fait. On a très peu de jeux comiques finalement. On a des jeux de guerre, on a des jeux de foot, on a tous les styles, le sport, le combat, etc. Mais des jeux qui soient comiques, l'équivalent d'un film comique, on n'a pas vraiment, quoi. Et Octodad, Payne, c'est ça. Et moi je trouve que c'est un genre qui devrait être développé beaucoup plus. Alors regardez cette brave dame, ah merde, elle a pris les dernières céréales. Hop qu'il me fallait, c'était celle du fiston. J'ai chopé juste avant qu'elle me gaule. Non, I need my kids need their sugary cereal. Un bâton. Il faut aussi que je prenne du lait chocolaté. Alors, c'est pas n'importe quel lait, vous voyez, donc il faut que je fouille le rayon. Parce que ce que je trouve du lait chocolaté. Ah, le voilà. Une petite liste de courses qu'il faut que je fasse. That Milk Company. C'est bourré de clins d'œil tout le temps, partout, c'est assez génial. La Mintcraft, c'est des petits bonbons à la menthe qui devraient vous rappeler quelque chose. Regardez ces petites pioches par exemple. Quand même assez drôle. Là non plus, c'est dommage, je peux tuer personne avec, mais j'aurais bien voulu. Et regardez ça, comme un creeper. Ça fait un bruit bizarre et ça finit par exploser, ou pas, à la fin. Voilà. Donc, petit clin d'œil à Minecraft. Il y a vraiment plein de clins d'œil à plein de choses. C'est assez rigolo et bien foutu. Ah, il faut que je récupère évidemment cette bouteille de soda qui est un petit peu en l'air. Donc à chaque fois, il faut trouver un moyen d'accès, une petite astuce pour arriver à ses fins. Et je trouve que vraiment, c'est fort, quoi. Un petit côté jeu d'aventure, les énigmes sont jamais bien compliquées. Hein. Mais en tout cas, ça le fait. Là, je suis en train de peut-être revenir par là-bas. Tourner un peu la caméra. Alors la caméra elle fait ce qu'elle veut. Donc en général elle suit plutôt bien l'action, mais il y a des fois on aimerait la voir ailleurs. On est obligé de revenir un peu en arrière pour recadrer un peu la caméra. Voilà, regardez. Très délicatement, du bout du tentacule, je vais enlever un par un tous ces cartons. Alors qu'à la limite si j'avais enlevé d'abord ceux du dessous, hein, ça allait plus vite. Voilà. Parce que Octodad ne peut se déplacer que sur des surfaces lisses et dégagées. Sinon, c'est un peu compliqué pour lui. Donc, hop, je vais lever mon pied. Je vais lever mon verre. Non, je vais lever mon pied. C'est un verre à pied. Et je vais tendre le bras. Oui, ça y est. Récupérer du mango rogel. Ça a l'air bon. Le fiston voulait aussi une pomme. On va aller faire un tour au rayon légumes. Alors, ils ont mis évidemment des pots de bananes pour me faciliter la tâche. Donc voilà, tout ce qui peut... Et faut faire gaffe de pas me faire trop repérer. Vous voyez, les gens commencent à me jeter des regards mauvais. Ça veut dire que je risque d'être repéré. Donc il faut pas que... Il faut pas que je fasse trop de bêtises, en fait. Voilà, petite pomme. Si je veux pas me faire repérer. Voilà, j'ai là... Excusez-moi, monsieur. J'ai un peu de... Ah, ouais. Oh pardon. En gros, si jamais vous faites trop repérer, si vous faites trop de choses, j'ai le pied dans un... ça ne va pas et le niveau, faut refaire le niveau. Tiens, regardez, des lunettes. Je peux essayer de prendre peut-être des lunettes. Je vais les mettre, voilà, histoire de passer totalement incognito. Des moments où vous allez vous déguiser. Quand je vous disais qu'ils avaient vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient. Alors là, il faut que je récupère des pizzas qui sont dans les armoires surgelées, sauf que tout est bloqué, vous voyez. Je ne peux pas ouvrir les... Je peux pas ouvrir les portes. Donc l'astuce... Je vous la donne, j'ai mis longtemps à trouver. C'est d'aller se faufiler tout le long du truc en espérant que ça passe. Bon, il est souple, hein, ça devrait aller de l'autre côté. Ouais, donc je vous disais, ils ont vraiment fait tout ce qui était possible de faire sur ce thème. C'est assez génial. Notamment un niveau où vous allez vous retrouver sur un bateau qui tangue évidemment, avec le pont du bateau est mouillé, donc c'est juste l'enfer pour se déplacer. Et donc déjà, vous n'arrivez pas à tenir debout, on vous demande en plus de nettoyer le pont avec un balai, donc c'est juste l'enfer. Ah voilà, comme dirait Charlie Chaplin dans les temps modernes, qu'on est pris dans les rouages. Donc il y a ce côté un peu vieux film en noir et blanc muet avec des gags visuels et tout, c'est vraiment très très bien. Voilà, une petite pizza. Bon bah voilà, il me manque plus grand chose, il me faut un sushi maintenant et tout le monde sera content. Mais le problème c'est que le sushi, c'est le chef qui s'en occupe. Et là, il va pas falloir qu'il me repère. Regardez ça, hop. Sonner. Là, il y a un hachoir à viande, c'est assez drôle. Il y a des saucisses, donc tu peux prendre les saucisses, les foutre dans le hachoir. Le tentacule va pas s'y mettre. Et regardez ce petit bout de viande
qui moi me rappelle un peu Super Meat Boy. Enfin voilà, vraiment plein de trucs assez rigolos. Là, je vais choper le sushi et ça va déclencher une petite séquence où je vais avoir besoin d'être très rapide. Donc j'attrape le sushi. Et regardez, le chef était caché derrière. Et donc là, il faut que je m'enfuie le plus rapidement possible. Avec des obstacles partout, c'est juste le cauchemar. En fait, ça fait comme dans les rêves. Vous savez, un rêve où on est coincé, on peut pas s'enfuir. On essaie de s'enfuir et puis on est englué. Là, par exemple, voilà, j'ai les pieds qui se sont pris dans la gelée. Donc il faut absolument que je chope. Voilà, ce petit truc pour nettoyer. Voilà, pour me décoller les pieds, pour pouvoir sortir avant qu'il ne me chope. Voilà. Donc c'est vraiment l'impression d'être dans un cauchemar. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien restitué ça. Moi, c'est des cauchemars que je fais souvent. Les trucs où je suis en voiture, je peux pas freiner, par exemple. Ou alors, j'essaie de frapper quelqu'un, puis j'ai des poings tout mous et j'arrive pas. C'est terrible. J'arrive pas à me défendre. Enfin, vraiment, voilà. Et on retrouve vraiment ça dans Octodad. C'est vraiment... On est tout le temps contrarié. D'ailleurs, j'avais pas demandé à amener ce truc-là. Regardez, il y a aussi... Mes enfants sont en train de jouer avec le truc. Je pourrais jouer du piano avec eux. Là, j'avais pas fait ça tout à l'heure, mais il y a quand même un petit vaisseau avec lequel je peux jouer. Je peux peut-être grimper avec mon fils. Voilà. Et voilà, j'ai fait les courses. Donc, vraiment, Octodad, je trouve ça fabuleux. Un autre grand moment qu'on vit dans la vraie vie. Enfin, moi, c'est toujours un cauchemar. Vous savez, quand il faut scanner les articles, quand on arrive à la caisse. Voilà. Bah, imaginez, moi, j'ai déjà du mal à le faire dans la vraie vie. Je comprends jamais comment ça marche. Avez-vous la carte, machin? Non, je ne l'ai pas. Je ne comprends jamais rien. Je suis obligé d'appuyer sur le bouton pour appeler une caissière. Je préfère d'ailleurs une caissière à un robot. Mais bon, ça, c'est personnel. Allez. Ça y est, j'ai tout scanné. Je crois que j'ai tout scanné. Peut-être pas la pomme. Ça, c'est scanné, ça. Non, c'est le truc derrière que j'ai pas scanné. Allez, allez. J'ai presque fini, là. Si je scannais ça au supermarché du coin. Et le carton pizza, tu le fais pas ? Ça serait top. Ah mais oui, le carton à pizza. Il a raison, Alex. Je croyais que c'était un panneau. Bravo, Alex. C'est le carton à pizza qui me manquait. Et on va pouvoir finir ce niveau. Voilà. Mes achats sont faits. J'ai mes lunettes. On peut partir à l'aquarium. Voilà. Bah, vous irez sans moi, les amis, puisque j'espère vous avoir donné envie de jouer à Octodad, une simulation de Amiral Akbar bourré, extrêmement intéressante. Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, et ce jeu nous le montre, vraiment. Si jamais vous prenez l'envie de boire de l'alcool, je pense que ça peut bien vous calmer, parce que voilà dans quel état ça peut vous mettre. C'est pas très bien. Voilà, les amis, Octodad, super, c'est pas très cher, je crois qu'il est à 10, 15 euros peut-être. Voilà, mais franchement, pour un grand moment de rigolade comme ça, ça vaut le coup. Ça vous a plu, Amiral ? Oui, c'était formidable ! J'ai jamais rigolé avec autant de magnitude ! Bravo ! Allez, je vous laisse, les petits amis ! À bientôt ! Ciao, Octodad !